Bonjour, bonjour. Alors, bon, bah, ça y est, l'étoile mystérieuse a été dévoilée. Bon, bah, ok. Alors, bon, je remercie encore toutes les personnes qui m'ont aidé par rapport aux indices, etc., etc. Donc, si vous avez participé cette semaine aux enregistrements, vous pouvez m'envoyer les infos à étoiledemidi@outlook.fr. Merci d'avance. Bon, bah, donc, c'était bien Arnaud Ducré. Séquence émotion, clock, voilà, nanan. Bon, bah, voilà, tout le monde était content, le maître de midi était ému, je suppose était ému, voilà, toc, et bon, mais ils ont plus de sous-sous, sauf que quoi? T'as pas l'impression qu'il manque un truc? Et les indices, c'est-à-dire qu'en fin de compte, Jean-Luc Reichmann a préféré parler des... Vas-y, appelez, appelez, appelez. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a l'impression que, eh bien, à part les appels, c'est-à-dire qu'il faut que Jean-Luc Reichmann se rende compte qu'il y a des gens qui sont intéressés par l'étoile mystérieuse et qui cherchent, et qui se disent, est-ce que c'est lui, est-ce qu'il va la trouver, gna, etc., etc. Et c'est quoi les indices, et pourquoi, et comment? Eh ben non, non, monsieur Jean-Luc Reichmann a préféré appeler, appeler, c'est mieux, etc. Mais le pire encore, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'aujourd'hui, il va dire, parce que bon, hier, je sais qu'il y a plein de gens qui ont téléphoné pour gagner la vitrine. Vous le savez très bien, Jean-Luc Reichmann aujourd'hui va dire, je vous laisse encore la journée. Ça va faire rentrer un peu plus de sous. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir. Vu qu'il y a à peu près 3 millions de personnes qui regardent les 12 coups de midi, d'accord? Bon, il n'y a pas 3 millions de personnes qui vont téléphoner, mais si vous comptez le nombre de personnes qui téléphonent pour essayer d'avoir la vitrine, eh bien, les 355 000 euros du maître de midi sont payés par vos appels. Et ça, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Donc, franchement, bravo à TF1 et puis à Jean-Luc Reichmann. Mais n'oubliez pas que vous pouvez vous faire rembourser. Alors, il y a un truc, c'est que beaucoup de gens se disent, ouais, mais bon, se faire rembourser les appels, 1 euro, ça va me coûter je sais pas combien en timbre, etc., etc. Mais vous pouvez vous faire rembourser aussi le timbre. Et puis, alors, ce que vous faites, au lieu d'appeler pour 1 euro, appelez pour 5 ou 6 ou 7 euros. Ça, vous serez beaucoup plus motivé à vous faire rembourser. Alors, même si vous attendez 3 mois pour vous faire rembourser, au moins vous serez remboursé sur 3 mois après. Et puis après, vous pouvez éventuellement continuer à ce rythme avec, je ne sais pas, on va dire, vous prenez 10 euros dans l'année, et puis vous téléphonez, et puis vous faites rembourser, etc., etc. Et puis voilà. C'est tout. Bon, on espère que tout à l'heure, Z va nous expliquer un peu les indices, parce que franchement, à part les appeler, 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 hein, voilà quoi. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.